Il me semble, François Brune, bah, tu le dis, tu l'as dit à plusieurs personnes, moi tu me l'as dit plus, à plusieurs reprises, mais bon, moi c'est pas très important, mais tu sens que tu es vers la fin de ta vie, et il me semble, à la lecture de ce nouveau livre, que je considère moi comme un nouveau livre, même s'il y a eu déjà une édition, il me semble que tu te préoccupes davantage de Jésus, du Christ. Est-ce que tu as, pendant quelques années, oublié le Ah non, Christ? pas du tout. Pas du tout. Mais mes premiers livres, c'était pour que l'homme devienne Dieu. Bon, mais qui a eu d'ailleurs, étant donné l'importance de l'ouvrage, c'est une grosse brique de 600 pages et qui était assez chère, quand très belle édition chez D'Ange, Moi, j'en ai un au fond dans la qui bibliothèque. était à 43 euros. Bon, Oh, ouais. il y a déjà des années. Bah, c'était tout de même très cher et qui a tout de même été assez largement diffusé. Je ne sais plus combien de. On a dû atteindre, je ne sais plus quoi, 15 000 ou bien. C'est déjà pas mal pour un ouvrage de ce genre-là. Non, non, j'ai jamais abandonné cette idée-là. Simplement, je me suis rendu compte que il fallait l'aborder en utilisant toutes les sources possibles. Alors, notamment, il y avait ces expériences aux frontières de la mort. Et puis, alors, je découvrais les messages de Pierre Monnier et de Roland de Jouvenel, qui étaient réédités, qui sont profondément chrétiens tous les deux, pas qui sont extraordinaires. Sont d'une très grande beauté, là. J'en ai repris en anthologie dans mes entretiens Ah. avec les morts. Quand on voit un petit peu ce que pouvait donner Pierre Monnier, dès 1922, 24, 29, bon, il voyait déjà très bien que l'esprit et la matière, c'est la même chose sous deux aspects différents. Certains de nos physiciens commencent à le dire, mais encore timidement, pas. Et puis également, il voyait très bien que le cosmos, c'était des milliards de galaxies qui se télescopaient, se démolissaient, se recomposaient, etc. Il décrit déjà tout ça. À une époque, on était loin de soupçonner ça. Il parle déjà des autres mondes habités. On commence à peine à chercher des traces en disant, après tout, c'est pas stupide, c'est probable, ça peut très bien exister. Mais en 1922, vous vous rendez compte? Même dans l'Église, il y a un petit groupe, même au Vatican, je suis pas toujours un admirateur inconditionnel du Vatican, mais Monseigneur Balducci, qui n'est d'ailleurs pas, comme on le dit souvent, un exorciste, mais un démonologue, c'est-à-dire il ne pratique pas l'exorcisme, mais il s'intéresse à tout ce qui concerne la présence des forces du mal. Et déjà dans un congrès international, dans la République de San Marin, il avait reconnu officiellement pas que l'existence des extraterrestres en disant on ne peut pas le nier maintenant, il y a trop de documents, trop de témoignages, c'est trop sérieux, ils existent. Et paraît-il, il a renouvelé cette déclaration il y a peu de Il y a peu temps. de temps, effectivement. Voilà, oui. Effectivement. Donc, imaginons que l'Église catholique accrédite l'existence Ah oui, bien sûr, d'extraterrestres. bien sûr. Mais ça fait des années qu'on le retrouve des peintures, des vitraux, des dessins. Ah. Il y a eu aussi pas mal de Alors charlatanisme. là, je suis plus réservé. Dans un des numéros de Parascience, j'avais réfuté cette idée, qu'on continue à ressortir, d'ailleurs y compris sur Internet, des fresques des chrétiens d'Orient, d'ailleurs jamais d'Occident, où on représente au-dessus du Christ en croix le soleil et la lune. Bah. Et on remarque simplement comme une sorte de vaisseau aérien, puis des petits personnages dedans. On souligne pas que c'est le soleil et la lune, pas n'importe quoi. Bah. C'est donc pas des ovnis. C'est le soleil et la lune. Et puis alors également, on ne sait pas que ce thème a été repris par les chrétiens, mais qu'il existait déjà avant pour tous les empereurs romains. C'est une façon d'exprimer une sorte de plénitude, de jour et de la nuit, de royaume, de l'empereur qui s'exerce aussi bien la nuit que le jour, etc. Bon, également peut-être un symbole de bonheur, il y a différentes interprétations. Et ça a été repris par les chrétiens d'Orient, dans la plupart des icônes, on trouve comme ça une représentation de la lune et du soleil au-dessus du Christ en croix. Tu es un oiseau de nuit. Oui. Je travaille la nuit, François Brune. Oui, exact. Je ne te demanderai pas pourquoi tu travailles la nuit, ça te regarde, c'est ton intimité. Mais comment tu travailles? L'élaboration de ce livre, la réédition, tu travailles sur quelle base? Tu te fais un plan, quelles sont tes sources? Comment tu construis un livre? Disons que dans presque tous les livres que j'ai lus, j'en ai quand même lu pas mal, je prends des notes. Et des notes assez détaillées. Alors après ça, il me suffit de les reprendre et de repérer dans chaque volume ce qui correspond à mon sujet, les passages qui m'intéressent. Alors après ça, la construction, voilà, Christ et karma, c'est assez, la construction va de soi un petit peu, hein, c'est assez logique, assez simple.
Oui, mais il y a un plan de départ. Je t'imagine écrivant la nuit, en écoutant peut-être la radio, en écoutant de la musique. Il y a un plan, mais un plan qui est dans ma tête, qui n'est même pas écrit. Et comme qui ça, et qui n'est pas détaillé. Oui. Il se modifie d'ailleurs au fur et à mesure. Tu fais confiance, tu demandes de l'aide au ciel pour t'aider à écrire un livre? Je sais que j'en ai toujours. Oui. J'ai gonflé de poser des questions comme ça, le père Carton. Il y a même quelques rares passages où j'ai eu vraiment l'impression que ça ne venait pas de moi. Qu'on me l'avait soufflé de l'au-delà. Tu irais jusqu'à parler d'écriture automatique? Non. Non, mais je te pose la question. Non, mais tu as raison de me poser la question. Non, c'est jamais allé jusque-là. Tu sais, on pourrait transcrire, il y a des esprits sacrés. Oh, mais le père Brune, il écrit sous écriture automatique. Non, rien de tout ça. Non, absolument rien de tout ça. Non. Mais qui va décider après du plan de la construction? Est-ce que tu écris beaucoup à la main? Tu travailles au clavier? Ah non, autrefois j'écrivais à la main. Et quel travail! Enfin, à la machine à écrire très tôt, oui. Ça, dès le début, c'était à la machine à écrire. Beaucoup de feuilles jetées parce que pas de temps. C'était toute une histoire avec la machine à écrire, parce que dès qu'on veut rajouter quelque chose, ça va rallonger la feuille, alors il faut donc couper avec une paire de ciseaux, faut recoller, etc. C'était épouvantable. J'ai fait tout ce travail-là sur Pour que l'homme devienne Dieu, les 600 pages. Bon. Puis après ça, dès que j'ai eu le traitement de texte, ça a été un soulagement considérable. Parce que là, on intervertit les paragraphes, on change les chapitres. On fait ce qu'on veut. Ça donne une liberté formidable. C'est quoi un miracle? Ah. Et en complément, je voudrais avoir ton avis sur Lourdes, les guérisons miraculeuses à Lourdes, elles existent. Oui, bien sûr. Elles sont très très peu nombreuses. Il y en a beaucoup plus que... Celles reconnues par l'Église sont très peu nombreuses. Je crois qu'il y a quelques semaines, il y a la 68e qui est reconnue, voilà. Oui. Mais en réalité, il y en a des milliers. Tu es bien d'accord avec toi? Oui. Et là, j'ai rencontré aussi l'un des médecins qui était directeur du bureau des constatations de Lourdes, qui se désolait lui-même. Et puis j'ai également les écrits de son successeur ou prédécesseur, je me rappelle plus. Bon, mais à travers d'eux, donc de ces médecins, ils sont tout à fait d'accord. L'Église a trop voulu utiliser le miracle comme une sorte de preuve absolue pour obliger le mécréant à croire. Et ça, je crois que c'est une erreur. Il ne faut pas essayer de forcer quelqu'un à reconnaître qu'il a eu tort et que vraiment il faut qu'il admette que Dieu existe. Bon, il ne faut pas forcer une conscience, on fait le travail inverse. Et du coup, l'Église a fixé des règles tellement draconiennes pour la reconnaissance d'un miracle à Lourdes que Dieu nous donne un tas de signes et que l'Église refuse de les reconnaître. C'est à ça que ça arrive, qu'on arrive. Elle aurait peur qu'il y ait trop de vocations d'un seul coup qui se déclenchent? Non, elle a peur d'être ridiculisée par les scientifiques qui vont démontrer qu'en réalité, c'est parfaitement, la guérison est parfaitement explicable. Ou même, à la rigueur, simplement par des simples constatations, reconnaître qu'il ne suffit pas qu'une guérison soit inexpliquée actuellement pour qu'elle soit inexplicable indéfiniment, ou inexplicable même indéfiniment, mais spontanée. Il y a un certain nombre de guérisons de maladies en principe incurables, et des guérisons spontanées chez des gens qui n'ont aucun rapport avec la foi, pas bien sûr. Mais qui effectue le miracle? C'est Dieu encore? Oui, bien sûr, oui. Aidé un petit peu par... la personne, un peu beaucoup par la personne qui vient. Parce que ce que me disait ce médecin, j'ai oublié son nom. Me disait ce médecin, il me disait, c'est vrai que nous avons beaucoup de mal à faire admettre par l'Église qu'il y a vraiment une guérison que nous n'arrivons pas à expliquer. Comment la faire? Il me disait, mais les deux plus grands miracles, monsieur Carton, c'est qu'il n'y ait pas autant de personnes qui soient infectées quand elles sont trempées dans les baignoires. Exactement. Ça, c'est inimaginable. Parce qu'après, les accompagnants boivent l'eau. Oui. D'accord? Il dit ça, c'est là. Et le deuxième miracle, c'est que depuis tant d'années, il y a autant de monde qui vient. Et même s'il n'y a pas eu miracle, même s'il n'y a pas eu guérison, il y a eu un choc émotionnel qui est passé. Il me dit, le véritable miracle, il est là. Et un soulagement de la souffrance. Le docteur, parmi ceux qui nous écoutent... Pas forcément physique, mais spirituel. Spirituel, oui. Ça change un être humain. Il se passe quelque chose, oui. C'est vraiment une capitale de la souffrance. La formule n'est pas de moi, mais Lourdes, c'est ça, vraiment.